N'y pense même pas que Mjolnir, le marteau sacré de Thor, te fracasse ce crâne et fasse frire de ses éclairs les poils de ton fion. Je suis Falki, le propriétaire. Et Falki, c'est pas trop un nom de chez nous, ça, hein? Parle pour toi. T'as pas l'air bien de chez nous non plus. Bah, pourquoi on est où, là? En Norvège. Hein? Et où sont les ours? Quoi? Non, non, c'est très bien, merci bien, hein. Vous savez comment je peux rentrer? Je le savais bien que tu n'étais pas d'ici. Va voir Astrid, elle habite la maison d'en face. C'est une des meilleures guerrières du village, une digne descendante de Thor. Et telle Sleipnir, le cheval sacré d'Odin, elle connaît et a parcouru toutes les routes du pays. Odin. Bonjour, vous le direz? C'est mon ami. Non, votre ami Falki de l'étable, qui m'a conseillé de venir vous voir. Alors je suis venu. Vous pouvez m'aider? Tout dépend. Voilà, moi et mon groupe avons été pris en chasse par des ours. Alors j'ai couru, et je me suis retrouvé seul, livré à moi-même pendant des jours, sans boire ni manger. Mon pauvre, mais vous devez être affamé. J'étais justement en train de préparer de quoi manger. Alors, installez-vous et puis vous me raconterez tout ça. Voilà. Eh ben, quelle histoire. Mes copains ont besoin de moi, vous comprenez? Oui, je comprends. Mais vous devriez passer quelques jours ici, histoire de vous reposer un peu. Puis je pourrais vous faire visiter un peu le coin. Ah bon? Vous feriez ça? Oui, ça me ferait vraiment plaisir. Bah, je reste un peu. Après tout, on n'est pas à 3-4 jours près, hein. Puis, votre cuisine est délicieuse, ma chère. Et je suis un expert. Gentil. Non, non, mais je dirais même que ce lapin est aussi tendre que vous. Est-ce que toutes les filles sont aussi belles par ici? Vous me flattez. C'est un sacré charmeur, hein. Face à votre charme, je dépose les armes. Fou, fou de votre beauté. Laissez-moi vous admirer. Quelle sensibilité. Alors vous venez avec moi? Où ça? Chez moi. Vous me faites visiter de votre pays, je vous fais visiter le mien. Et puis je vous présenterai mes amis. Arthur, Tristan, Selina, Zalin. Vous allez les adorer, c'est certain. Vous êtes si gentil, si sensible. Ici je ne côtoie que des brutes à longueur de journée. Et puis j'adore les aventures, ce sera avec grand plaisir. Vous savez, j'ai un faible pour les artistes. Surtout ceux qui ont un regard comme le vôtre. À dormir l'un à côté de l'autre, on aura plus chaud. Mais quelle idée! Je sais pas ce qu'ils vont me faire. Tu arrêtes de gigoter aussi. Vous tirez toute la couverture à vous, c'est un désagréable. Ouais, bah, vous aviez qu'à avoir la vôtre de couverture. La nuit va être longue.